Do you feel the boom? Parce que j'étais particulièrement déçu de ma première vidéo, je me suis dit j'ai pas assez rentré en détail, j'ai oublié des explications et autres, donc voilà, je refais cette vidéo et également je vais tenter de faire la chose bien meilleure. Voilà. Alors, tout d'abord, donc c'est le modèle Cheerlux, donc c'est le modèle CL760 que vous pouvez voir ici. Il est vendu sur Gearbest aux alentours des 130 euros. Alors surtout si vous faites un achat ou autre, il est possible d'avoir un coupon de réduction qui sera donné dans la description de la vidéo. Utilisez-le, ça vous fera toujours gagner 10 euros. C'est toujours ça de prix, voilà. Alors, donc, avec quoi nous est-il livré? Donc, sa télécommande pour pouvoir l'utiliser à distance. C'est plutôt toujours sympathique de ne pas avoir à se lever du canapé et autres, faire par exemple pause et plein d'autres choses. Deux petites vis pour pouvoir surexposer ici le projecteur si vous êtes un peu juste au niveau des réglages final. Sa petite notice d'utilisation, pas très utile, hein, vous verrez, hein, un vidéoprojecteur c'est très très simple à utiliser sur tous ces modèles. Une connectique AV et bien sûr sa son alimentation secteur donc en 230 volts. Voici le projecteur en lui-même. Donc il est d'une taille assez conséquente comme vous pouvez le voir, hein, il fait quand même son poids. Ici vous allez retrouver une petite protection pour tout ce qui est lentilles. Toute la partie commande se trouvera sur le dessus. Alors ici vous allez retrouver le focus, le keystone. Donc c'est quoi ces deux commandes? Alors le focus c'est assez simple, je pense vous le savez tous. C'est en fait le réglage qui va vous permettre d'avoir une image nette sur votre mur. Voilà. Donc si l'image est floue, vous allez venir agir ici pour avoir justement l'image nette. Le keystone, c'est quoi? C'est simplement, par exemple, si votre projecteur est installé comme ceci, vous allez avoir une image qui va être comme ceci sur votre mur. Et bien le réglage keystone va pouvoir faire le rattrapage pour avoir une image droite au final sur votre mur. Voilà à quoi sert ce réglage. Ici, donc, toute la partie commande, le menu, source, power, et toute la partie navigation gauche, droite, haut, bas. Voilà. Toute la partie connectique va se retrouver à l'arrière. Donc ici, vous allez avoir deux connectiques en USB. Donc pratique pour lire directement vos films sur une clé USB. Hein. Tous les formats classiques sont utilisés, comme le .mkv. D'ailleurs, je vais l'utiliser dans la vidéo, vous verrez. Deux connectiques HDMI pour, par exemple, lire directement, connecter par exemple votre ordinateur portable, votre box TV, par exemple, si vous êtes une box Orange, SFR et autres pour avoir la télévision, une console de jeux vidéo, c'est tout à fait possible, une connectique VGA, une connectique audio, une connectique AV, son alimentation. Sur le derrière, c'est assez simple, on va retrouver ici un espace pour nettoyer en fait le filtre à poussière. Et ici, si vous retirez ces quatre petits caches, vous allez pouvoir accéder aux vis qui vont permettre de l'installer sur un support pour un plafond par exemple. Si vous voulez installer votre projecteur sur le plafond, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc voilà pour le projecteur en lui-même. Donc sachez que c'est un projecteur en résolution 720p. Alors, il est possible de supporter le 1080p, mais en aucun cas, il va vous délivrer une image de 1080p sur votre mur. Voilà. Sa résolution native est de 720p. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout. Maintenant, on va passer au test en vidéo en direct. Je vais utiliser ce projecteur donc, sur ma console Switch. Je vais lire un petit extrait vidéo d'un film, enfin plutôt d'un dessin animé avec plein de couleurs vives. Vous allez vraiment vous apercevoir maintenant de la qualité. Et également, je vais l'utiliser pour lire la télévision classique avec ma box, moi, qui est chez Orange. Voilà. Donc, à tout de suite pour la seconde partie de la vidéo. Alors, nous voici maintenant dans la deuxième partie de la vidéo, donc toujours sur le test du modèle de projecteur Cheerlux, le modèle CL760. Alors, donc la vidéo va se décomposer en trois parties. Donc, une première partie où on va tester donc le projecteur avec un petit dessin animé que j'ai trouvé sur Internet. Ensuite, je vais tester le projecteur avec la télévision classique, donc on va passer des chaînes classiques comme TF1, etc. Et en troisième, je vais utiliser ma console Switch pour que vous voyez compte que c'est tout à fait possible d'utiliser le projecteur avec une console de jeux vidéo, voilà. Alors donc,
Tout d'abord, pour vous présenter un peu la configuration de ma pièce, donc le projecteur est installé à 3,30 m de mon écran de projection, donc qui est ici. Et ensuite, cet écran de projection mesure 240 cm de long sur 1,80 m de hauteur. Vous verrez dans le test que je n'utilise pas toute la hauteur de l'écran de projection parce qu'il ne peut pas descendre jusqu'en bas parce que je suis limité avec mon meuble TV. Normalement, j'avais fait la mesure, j'obtiens une hauteur de 1,50 m de hauteur. Et par contre, je dépasse sur la longueur. Vous allez voir dans le test que je dépasse légèrement de 1 cm. Donc là, je vais obtenir une image de 2,40 m de long sur 1,50 m de haut. Ce qui est tout de même pas mal. Sachant que la télévision que vous voyez ici mesure 140 cm de long. Voilà. Que dire d'autre? Bah écoutez, je pense qu'on va commencer le test en vidéo. Alors, donc je vais éteindre les lumières. Je vais me mettre dans le noir complet pour vraiment optimiser l'utilisation de ce projecteur, mais sachez qu'il est tout de même assez lumineux pour ne pas avoir besoin d'être dans le noir complet. Vous pourrez facilement l'utiliser dans une pièce assez sombre. Bon, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser clairement en plein après-midi à 12h, c'est pas possible. Mais en début de soirée, c'est tout à fait possible, je vous rassure, il est vraiment bien lumineux là-dessus. C'est vraiment un des projecteurs les plus lumineux que j'ai eu à tester, bien sûr. En termes de rapport qualité-prix. Hein. Donc là, je vais baisser tout de suite l'écran de projection. Et ça, vraiment, c'est le top. Vous voyez, hein, en 30 secondes, si vraiment vous avez la possibilité d'avoir une télévision pour regarder toutes les informations, etc. Et utiliser vraiment le projecteur pour regarder des films, vous faire vraiment plaisir, quoi. C'est vraiment le but. Donc là, j'ai descendu mon écran de projection. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez peut-être pas en vidéo, mais sur les côtés ici, je déborde un peu. Ce qui veut dire que vraiment, je suis au-delà des 2,40 m de loin. Donc je prends la télécommande. Je vais vous présenter je vais faire une petite présentation des réglages du projecteur. Alors, donc ici, on est dans tous les réglages de l'image. Donc ici, c'est Ah. Donc là, y a la télévision qui est en arrière-plan. Donc oui, comme je disais, tous les réglages classiques de l'image, donc standard et autres, donc pour jouer sur la température des couleurs, je vais rester dans le standard, je ne vais pas vraiment faire de réglages pour que vous voyez vraiment compte du produit que vous allez recevoir en fait. Donc j'ai vraiment tout laissé de base. Ici, donc c'est toutes les options pour réduire la... Je laisse tout en moyen chez moi. Je ne suis pas du tout trop fan de ces réglages. Ensuite, on arrive sur le menu des sons. Donc là, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, un home cinéma, enfin un vidéoprojecteur, n'est pas destiné à être équipé d'une enceinte audio au top du top. Pour moi, c'est simplement un produit pour envoyer une image. Le son sera fait par votre home cinéma. Je l'espère que vous en aurez un pour vraiment vous rendre, pour vraiment avoir le top, quoi, on va dire. Autrement, il est quand même équipé de haut-parleurs, mais c'est franchement pas terrible, quoi. Je vous déconseille de regarder un film avec les haut-parleurs intégrés. Alors, ici, on est dans les réglages du projecteur en lui-même. Donc, régler la langue. Cette option, par contre, est sympathique. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet, vous voyez, d'installer le projecteur, en fait, par exemple, s'il est installé au plafond ou sur le côté et autres. Voilà. Donc, on va revenir. Donc là, j'ai fait vraiment le tour des options. Et par contre, il y a une petite option qui vraiment qui manque. C'est de pouvoir zoomer ou de dézoomer sur votre image. Donc là, c'est pas du tout possible. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, là, mon projecteur est installé à 3,30 m et j'obtiens l'image que vous voyez. Donc là, vous voyez, en plus, je déborde. Donc là, limite, c'est pas idéal pour moi. J'aurais dû, par exemple, être à 2,50 m pour ne pas avoir débordé sur les côtés de mon écran de projection. Voilà. Donc là, c'est un petit défaut. Ne pas avoir une petite fonction pour rattraper l'image, un petit zoom ou un petit dézoom aurait été sympathique. Donc maintenant, on va passer tout de suite au test de la télévision. Bon, allez, on va se lancer dedans. Donc là, je suis sur source, normalement. Donc voilà, j'y étais déjà. Donc là, en plus, on a la chance d'avoir un film ce soir sur... donc là, je suis sur TF1. J'ai coupé le son.
Non, regardez, hein, donc là je suis câblé sur ma box de télévision, hein. Lycan Hypersport. 3 400 000 dollars, le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Il y en a que 7 qui roulent dans le monde et lui, il la boucle à double tour. Quoi de plus triste que d'enfermer un fauve dans une cage? Là, j'ai vraiment envie de me le faire, Sanaz. Ok. Alors, au travail. Ah, allez, sûr. Une fois par an, on m'appelle. Alors maintenant, on va passer au test vidéo d'un petit film, enfin d'un petit dessin animé qui est intégré donc dans la clé USB. Alors pour ça, on va se sélectionner en source. Je vais me mettre en USB. Je vais ici sélectionner cinéma. Pourquoi? Parce que c'est un fichier vidéo. Vous pouvez parfaitement lire de la musique, regarder vos photos de vacances sur grand écran. Donc là, je navigue dans les menus. Et je fais lancer. Et là, je vais vous laisser profiter. Je vais en profiter pour remesurer la hauteur, de vraiment savoir vraiment combien j'ai exactement, parce que j'ai un petit doute là-dessus. Donc oui, je vous confirme que là on est bien sur une hauteur de 1m50 et je dirais 2m45 de long. Voilà, donc maintenant je cherche à couper. Voilà, donc là vous avez vu qu'on a passé un petit dessin animé avec des couleurs vraiment vives. Vous avez pu voir, je pense, le rendu. Juste excellent, quoi. J'ai rien à redire là-dessus. C'est vraiment un 10 sur 10 niveau qualité d'image. Alors maintenant, on va passer tout de suite au test de la console Switch. Donc, une console de jeux vidéo. Alors, pour ça, toujours pareil. Je suis câblé en HDMI 2. Parce que tout à l'heure, en HDMI 1, on avait la télévision. On va sélectionner HDMI 2 classique. Et voilà, donc là je reprends la course au même endroit qu'un précédent test de projecteur. Donc vous pouvez comme ça comparer directement les deux produits. Alors. Thank you.
Voilà, donc je vais pas aller plus loin. Je pense que vous avez eu un petit aperçu qu'il est capable de vous délivrer. Donc là, vous voyez, hein, je suis sur deux joueurs. Chaque joueur a vraiment une grande image. J'ai pas fait le test sur un joueur, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Mais que le but, c'est vraiment que c'est sur la console Switch, c'est vraiment parfait, c'est l'idéal. Si vous avez une Switch à la maison, franchement, jouer à 4 joueurs sur ce projecteur, ça fait toujours effet en soirée. Je vous assure. Le temps qu'on est sur les consoles de jeux vidéo, sachez que c'est vraiment un produit bon. Mais par exemple, si vous jouez sur une Xbox One ou les consoles de jeux vidéo récentes comme la PS4, etc., ou c'est des consoles qui sont natifs en 1080p, voire en 4K, là-dessus, vous allez downgrader en fait la qualité de votre image. Donc, vous aurez le plaisir de jouer sur une grande surface, mais vous aurez une image moins bonne que sur une télévision. On ne pourra pas faire autrement, on sera resté calé sur du 720p. Mais par contre, vous pourrez jouer sur un grand écran. Et ça, c'est vraiment ce qui offre pas mal le côté, le petit plus, en fait. Ici, sur une console Switch, on n'est pas sur une console où on cherche à jouer avec des graphismes au top. Donc c'est pour ça que c'est vraiment idéal avec ce genre de console, voilà. Pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce projecteur ? Bah, écoutez, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai eu à tester. Pourquoi ? Parce que il est à 130€ sur le site Gearbest. D'ailleurs, si vous faites une commande, n'oubliez pas, dans la description, vous pouvez bénéficier de 10€ supplémentaires de réduction avec un petit code à rentrer lors de votre commande, ce qui fait passer le projecteur à 120€. 120€ pour jouer sur une longueur de 2m40 avec 1m50 de hauteur. Aucune télévision dans le commerce n'est capable de vous offrir ça. C'est pas possible. Donc franchement, si vous avez la possibilité également d'avoir un écran de projection, vous voyez, hein, vous installez ça sur votre plafond, ça coûte 100€, un écran de ce type-là, c'est pas du haut de gamme, mais ça fait très bien le travail. C'est en 30 secondes, vous avez déballé votre écran de projection. Enfin, c'est vraiment le top à combiner. Donc voilà, je le conseille également. Également, je mettrai le lien dans la description d'un produit similaire que j'ai eu, ou vraiment exactement le même. Pour revenir sur le projecteur, bah écoutez, pour moi c'est un 10 sur 10. J'ai pas de défaut à lui dire. Pourquoi ? Parce qu'il délivre une image excellente. Il est lumineux. Il est pas fort bruyant. Regardez, je vais passer mon micro à côté. Donc là, j'étais vraiment collé, hein. Honnêtement, on l'entend vraiment très peu. Une fois que vous aurez mis le son de votre home cinéma lors de votre film, il va vraiment passer inaperçu, je vous rassure. J'ai mon projecteur BenQ qui est dans le carton parce que j'ai pas pu l'installer en ce moment, mais il est vraiment deux fois moins bruyant celui-ci que le BenQ par exemple. Que dire d'autre ? Donc oui, qualité d'image au top, 10 sur 10. Au niveau du bruit, c'est largement acceptable. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte là-dessus. Si vraiment vous avez peur de bruit de ce projecteur, enfin oubliez, parce que les projecteurs du commerce ou les projecteurs réputés font deux fois plus de bruit. Que dire d'autre ? Le seul petit défaut, ça serait qu'il manque une petite fonction pour dézoomer l'image, comme vous avez pu voir. Par exemple, ici, je suis en train de déborder sur les côtés, et donc je ne pourrais pas ajuster l'image à mon écran de projection. Donc pour ça, je vais devoir régler le problème en avançant mon projecteur. Voilà. Vous retrouverez d'ailleurs plus d'informations et le test plus complet à l'écrit sur mon site internet. Donc s'il n'est pas encore à jour, c'est parce qu'il est en projet en ce moment. Il va sortir d'ici quelques jours normalement. Donc je rappelle, ça sera www.geekit.fr. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. C'est un moyen pour moi de me faire découvrir de plus en plus, de vous faire tester de plus en plus de produits, et également pour vous de découvrir des produits qui pourraient peut-être vous intéresser par la suite. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Il y aura un petit logo qui va apparaître quelque part. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je pourrai y répondre. Sachez quand même qu'à l'heure où j'ai réalisé ce test en vidéo, c'est vraiment le meilleur 720p que je peux vous proposer. Également, si vous avez un budget serré, croyez-moi, si vous pouvez rajouter 20, 30, 40€ pour passer sur ce produit, ça les vaut vraiment, quoi. Vous ne serez pas déçus. J'ai vraiment eu que des retours positifs là-dessus. Ben voilà, je pense avoir fait le tour de tout. Et je vous remercie en tout cas de me suivre, et merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à bientôt, au revoir.